Voilà, ça y est, je suis en train de filmer là en ce moment là. Là, depuis quelques secondes, là, ça y est, je suis en train de filmer. Mais disons que, et pourtant, je suis qu'un mec, hein, c'est tout, hein, je sais faire qu'une seule chose à la fois. Maintenant que t'as vu là comment je me débrouille sur la route, à su trois coups, c'est un petit peu difficile à croire là ce que je viens de dire. C'est très très QRP, hein. Là j'ai à peine entendu, juste un petit peu, les bonnes 73, 51 à lui, je sais pas s'il peut mettre un peu plus de confort là de son côté, mais là ça, j'ai énormément de mal à l'entendre. Pourtant de mon côté j'ai également en plus, j'ai le préampli qui est allumé, et j'ai fait le maximum de mon côté, mais là j'arrive pas à le sortir correctement. Là, c'est vraiment vraiment très petit là de mon côté là pour entendre quoi que ce soit. Bonjour, bonjour Lily, je vais discuter avec lui quelques secondes pour voir si il peut faire quelque chose. Alors non, parce que c'est là que je suis en train de faire quelque chose. Alors, non. Ouais, j'ai un peu compris là. Ok, là c'est passé un petit peu mieux là. Bon, la propag a bien voulu apparemment me laisser entendre un petit peu. Je reste un petit peu là avec vous, hein, là le temps là, de faire la une vidéo quand même suffisamment intéressante. Ok. Donc vous avez entendu personne d'autre là du côté de l'Europe là avant que je break. C'est bien ça, Jean-Claude? Ah, j'ai une montée de QRM là de mon côté, là j'ai énormément eu de mal à t'entendre. En tout cas pour ma part là côté vitamine, eh bien je dirais bien, attends, je te dis ça au coup de sifflet. Voilà, là 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 là, il y a ce qu'il faut là. Là il y a ce qu'il faut là, ça marche fort là de mon côté. Attends, j'en commence parce que j'ai du mal à siffler en plus. Je sais pas trop siffler là pour voir ce que ça donne. Ouais, bon, allez, il y a bien 200 caisses de bouteilles de whisky, là, attends, parce que là, il faut, ça vaut le coup d'œil, là. Là, ça vaut le coup d'œil. Alors, voyons ça, voilà, je mets la vidéo dessus. Ouais, voilà, ok, c'est passé sur la vidéo, voilà, donc,
dans ce qui fait à peu près, là, en modulé, là, à la voix, 150 bouteilles de whisky, hachis trois coups. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ben, apparemment, là, il faut ça de mon côté, là, pour arriver à passer, là, sur vous, là. As-tu UQSL de Jean-Claude? Ok Gilles, les bottes sont 13,51 à toi. Dis donc, j'ai dû attacher, là, j'ai dû tout sangler, là, tout attacher correctement, tellement tu passes fort sur le QTH. Ah, c'est bon, ça va, ça passe bien, là, c'est une bonne radio de 5, là, ça marche bien, hein. Et comme à chaque fois, hein, mais c'est, à chaque fois, c'est toi qui passes le plus fort, là, dans l'équipe. Là, ça devient chiant à force de t'entendre. Non, je plaisante, Gilles. Bon, comment vas-tu, toi aussi, là, ce matin, hein? La température de ton côté, là, commencé, là, c'est pas trop froid? Ok, ouais, la fonte des neiges est amorcée. Ok, voilà, attends. Ouais, ok, c'est bon, ça marche. La fonte des neiges est amorcée de ton côté. Eh bien, toi, là, nous, ici, là, je viens de regarder, d'en profiter, là, pour regarder en même temps, là, la température. Eh bien, ici, là, j'ai 12 degrés, et il est 5h PM, là, ici, là, sur le sud-ouest de France. Ouais, affirmatif, QSL, et bien tu vois, là, en même temps, je suis en train de faire une vidéo. Voilà, puis comme j'ai mis un petit peu le zoom sur la vidéo, ça va sautiller un petit peu, là. Ok, ouais, QSL, mais effectivement, ça fait froid quand même, hein. C'est pas encore l'été chez toi, hein. Et, bon, je suppose que t'as dû commencer à faire chauffer un petit peu le moteur de la moto pour la prochaine balade, Hachi. Ok QSL, eh bien là pour que tu arrives à m'entendre là quand même assez correctement, là je suis presque au maximum là de la puissance. Si je monte davantage, je risque de péter la boîte, la caisse de whisky. Donc ben pour tout te dire, je suis sur la position 5. Voilà, si tu comprends ce que je veux dire là au niveau des whisky. Donc là, je n'irai pas plus haut de ce côté-là, je risquerai d'endommager là,
l'Alpha Lima, voilà. Et ouais, donc cette nuit, oui, ben, comme je te dis, hein, je suis parti faire mon boulot. Je suis revenu, effectivement, j'ai vu que tu n'étais plus là. Ouais. qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc, je sais plus. Oui, la chaîne YouTube que tu as, je sais pas si j'ai trouvé, si c'est la bonne chaîne YouTube. C'est peut-être une ancienne adresse que j'ai, puisque les vidéos qu'il y a dessus datent de l'année dernière. Alors, je sais pas, je verrai ça tout à l'heure sur Facebook. J'ai pas eu le temps d'y aller aujourd'hui, là, sur Facebook. Là, j'étais assez occupé. Donc, je verrai ça tout à l'heure quand j'irai sur Facebook, là, ce que tu as mis. Hein. Ok, merci beaucoup. Ouais, je l'ai un peu entendu derrière. Hein, y a pas de problème. Bon, j'ai pas tout compris effectivement ce qui m'a dit, parce que bon, ça reste assez petit, assez QRP là de mon côté. Les bottes 73 51 lui de 14 ODR 002 opérateur Rémi Sud-Ouest France sur le secteur de Saint-Émilion Castillon-la-Bataille. Plus précisément sur la commune de Sainte-Colombe. Si tu connais la station là que j'ai entendu là tout petit derrière qui m'a envoyé les bonnes 73. Retour de micro à la station. Thank you.
Ok, d'accord, merci. Est-ce que ça serait pas lui, des fois, qui serait sur le forum Les Ondes du Routier? Je sais pas, possible. Génial. Ouais, affirmatif, ouais, j'ai entendu. C'est génial ça. Alors tu vois, Gilles, donc le groupe sur Facebook 14 division 14 ODR, eh bien c'est une extension du forum Les Ondes du Routier qui est ouvert à tous, hein, bien évidemment. Quoi. Et tu vois, c'est là où c'est assez marrant, où c'est très intéressant, c'est que tu vois, là on arrive quand même à se retrouver là en fréquence malgré l'éloignement et tout. Et ça devient encore plus intéressant, c'est encore meilleur. Quoi. Oui, bonjour, les 2713-51 du sud-ouest de 14 ODR 002 Rémi. Comment allez-vous là de votre côté? Oui, je vois que j'en t'entends pas bien. Ah, on dirait, oui. Ah, affirmatif, 100% QSL. Eh bien, tu devrais lui demander de mettre qu'il mette son antenne sur ton pylône. Et il verra de suite la différence, parce que c'est vrai que là, une fois de plus, là, dans la vidéo, tu verras que de ce côté. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Il n'y a que toi qui passe. Hein. Enfin, qui passe bien, hein, qui passe 100% QRO. Hein. Retour, Gilles. Ouais, affirmatif, sauf que là, je suis avec une autre station, un autre micro. Alors là, actuellement, je suis avec la station dont je me sers habituellement pour faire les expéditions. Tu sais, la petite boîte en bois avec le matériel dedans. Voilà. Et donc, c'est le micro qui est avec. Alors, c'est un micro, j'espère que... Ouais, ok, d'accord, là, on le voit dans la vidéo. C'est un micro Alan F24. Habituellement, quand je suis avec cette station, je me mets comme ça. Donc là, tu n'entends plus rien derrière au niveau des petits échos. Mais vu que tu aimes bien avoir un peu de confort, voilà, que tu trouves que ça passe mieux, et bien ok, voilà, tu vois, là, j'ai remis. Là. Et donc, la station là pour les expéditions, je l'ai branchée là au QR1, donc sur mon antenne de fixe, c'est-à-dire la Sigma Mantova 8, là, que j'ai sur le toit à 9 mètres de haut. Voilà, donc j'ai débranché le décamétrique pour brancher la station là pour les expéditions à la place. Hein. Voilà, pour être sûr que tu m'entendes mieux, quoi. Non,
j'ai pas du tout Roger, j'ai en plus du QRM électrique, j'ai une espèce de balise là qui passe qui est passée là sur le QTH. Là tu t'entendras ça là dans la vidéo, là c'est excuse-moi mais là j'ai pas du tout Roger, j'ai pas du tout le QSL là, de ce que tu m'as dit. Gilles, est-ce que tu peux me faire le QSP s'il te plaît? Ça me fait de balise. Je te fais un disons que le problème c'est que la fréquence n'est pas du tout propre. J'ai un mélange de QRM un peu électrique, plus une espèce de balise là que tu vas entendre là, clairement là, dans la vidéo. Et ce qui m'empêche de pouvoir l'entendre correctement, c'est dommage parce que ce sera avec grand plaisir de pouvoir l'écouter, mais là je peux vraiment rien faire de plus de mon côté à cause de cette balise là qu'on entend là, qui balaye la fréquence. Je suis en train de te perdre, la propagation est en train de baisser là actuellement, là ça chute énormément. Là je sais pas, j'espère que ça va vite remonter. Alors je suis en train de regarder en même temps la vidéo, puisque là sur mon appareil photo, la vidéo, là il y a un compte à rebours dessus. Je suis en train de surveiller ça, là il reste 6 minutes 20 à peu près là à filmer. Ok, j'espère que là ça va vite remonter, parce que là c'est, j'étais un petit peu perdu là sur la fin. Là. Ok, j'ai à peu près compris, j'ai entendu l'ensemble du groupe, donc ok, ouais, moi c'est pareil de mon côté, là je suis en train de vous perdre complètement. Enregistrez le break, enregistrez le break. Je vous envoyer aussi les bandes 73-51, je vais commencer à travailler la vidéo pour la mettre là un peu plus tard en ligne, enfin bref, dès que tout sera prêt. Donc il n'y a pas de souci, hein. Je m'occupe là, rapidement de la vidéo. Les bandes 73 à vous tous, à l'ensemble du groupe, à l'ensemble du Québec, à l'ensemble du groupe Les Tannons. Et à très bientôt sur les ondes et à tout à l'heure sur Facebook. Je fais le retour de micro sur le break, si lui m'entend. En avant le grep, le break pour le groupe des Tannons, le Québec. En avant. Ok, il n'y a pas de problème, les 73, à bientôt, apparemment le break ne m'entend pas, mais c'est pas grave, à plus tard aux fréquences et à tout à l'heure sur Facebook. Ok Gilles, pas de problème mon ami, les 73, 51, 212 à ton QRA, et à un peu plus tard.